Un matin d'automne 1888, le vieux Nietzsche se réveille, s'étire péniblement et murmure « Deviens qui tu es ». Il fixe l'horizon par la petite fenêtre et répète, comme une incantation secrète, « Deviens qui tu es ». Comment aurait-il pu se douter que cette ultime exigence adressée aux hommes et à lui-même, dans son dernier texte, « Ecce Homo », repris de Pindare, serait, moins de 2 siècles plus tard, vidée de toute sa substance et transformée en arme de destruction massive au service du marché. Le vieux Nietzsche, pas si vieux mais bien éprouvé par la vie, ne pouvait pas se douter que derrière ces quelques mots qui finalisent son autobiographie philosophique se cachait en germe la récupération capitaliste du destin, le marché de la destinée. Voyez-vous, quand on parle de pouvoir, on se précipite souvent sur la politique et l'économie, comme les deux grandes forces visibles et hégémoniques. Mais il en existe une troisième, un troisième pilier qui conditionne les deux autres, l'imaginaire. Voilà la ligne de front des époques. Celui ou celle qui façonne l'imaginaire, le devenir désirable d'une génération, contrôle tout. Il est le Prométhéen des trajectoires individuelles, l'architecte des rêves et donc, in fine, des vies, de nos vies. Les faiseurs d'époque, les véritables démiurges, sont des conteurs invisibles qui façonnent d'enviables fictions et les murmurent aux oreilles attentives des jeunes égarés que nous sommes ou avons tous été à un moment de nos vies. La teneur des souffles du devenir, voilà où tout se joue. Et que disent ces souffles aujourd'hui? Quels sont les destins en vogue? Que nous propose-t-on? Quel est le menu à la carte du destin en ce début de 21e siècle? Eh bien, qui sait tendre l'oreille et se taire entendra rapidement la rumeur insistante, un croassement diffus, présent partout. Deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Partout, l'on croasse. De ce mantra vide sont immédiatement suivies mille et une offres de destinée. Bienvenue dans le marché du destin. Ici, tout le monde vous alpague. Tous les 10 mètres, un boutiquier grenouille en costume vous attrape le bras et vous dit « Achète mon offre en promotion. Désire mon rêve, ton rêve. Deviens ce qui bout à l'intérieur de toi. Désire avec mes acolytes, croasse avec les croassants. Réalise tes possibles. Obnubile-toi et tends avec nous vers la pleine réalisation de ton destin. Mais fais-le avec notre formule. » Le destin est devenu un marché comme un autre. Les crapauds vendent des proto-destinées, des rêves d'emprunt qui tournent souvent autour du perfectionnement sans limite de soi. L'époque nous perd et à peine a-t-on le temps d'apprécier le vertige de la vie que se précipite à notre chevet une cohorte de vendeurs de destinées, nous proposant 1001 prospectus de réalisation de nous-mêmes. Regarde-les, avec leur « comment réussir sa vie », leur « reprends en main ton destin » ou encore leur « deviens qui tu es vraiment ». Ils vous ont un jour accosté, comme ils m'ont accosté. Leurs prêches sont très efficaces et séduisantes, particulièrement aux oreilles du jeune artiste qui se cherche péniblement. L'art ne promet jamais rien, mais eux si, eux promettent tout. Ils disent fortune, succès, influence, vendent liberté, prestance et paradis doré. Et à force d'être recouverts par ces sollicitations incessantes, eh bien, nous avons tous fini par admettre, même inconsciemment, que l'existence que nous menions n'était qu'un sas d'attente, avant la vraie vie, celle que l'on nous fait ardemment désirer. Nous vivons aujourd'hui comme des transitants vers nous-mêmes, et tout ce qui semble susceptible d'accélérer ce cheminement vers ce nirvana de l'être est bon à prendre ou à acheter. Psychologiquement, c'est un magnifique larcin. On nous a fait croire qu'il nous manquait quelque chose, et l'on nous a juré que ce « quelque chose » était à trouver dans le monde, faisant de nous des poursuiveurs de nous-mêmes, certains d'un jour pouvoir nous sentir enfin repus et complets, mais en attendant, profondément insécurisés.
C'est une amputation psychique et imaginaire qu'opèrent ces crapauds. Ils génèrent le manque et vendent la solution. Mais soyons sérieux. Le monde ne vous fournira jamais votre destin. Votre rêve est un ineffable secret. Ceux qui vivent de votre chute et de votre sentiment d'insatisfaction n'ont aucun intérêt à vous voir reprendre vos esprits et patiemment cheminer vers vous. Les grenouilles du destin jouissent de vous voir vous agiter dans le marécage des rêves oubliés, sachant bien que leurs narratifs sont juste à la sortie du marécage. Pour eux, il est absolument essentiel que vous continuiez à vous penser comme incomplet. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de remonter à la source de cette grande mascarade du destin. Et pour ça, nous allons commencer par demander des comptes à Nietzsche et à son célèbre « Deviens qui tu es ». Nous allons tenter de réarmer le destin. Et pour ça, eh bien je vous laisse vous installer à l'ombre de cette grande pierre et je n'ai plus qu'à vous dire « Bienvenue au dolmen ». Je viens de publier mon premier livre, S'anomaliser. 250 pages de voyage introspectif, de réflexion sur l'époque et sur ses pièges. Courage, haine, amitié, liberté, politique, tout y passe. Ce livre est un guide initiatique pour les artistes, les aventuriers d'eux-mêmes, les insatisfaits, et si vous aimez mes épisodes de Dolmen, eh bien je pense que ce livre est spécialement fait pour vous. S'anomaliser est disponible en format papier et numérique selon vos goûts. Le lien pour vous procurer le livre est en description. Bon voyage en dehors du monde. S'intensifier au loin. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la vie de Nietzsche, mais assumons que non. Eh bien, sans rentrer dans les détails, s'il y a bien un homme qui n'a pas décidé de vivre comme il l'entendait, mais qui a subi son existence, eh bien c'est peut-être lui. Nietzsche est le grand souffrant, l'immense souffrant, l'agitateur oublié, presque boudé par son époque. Je sais qu'aujourd'hui, on en a fait la figure du chevalier de lui-même, l'ordonnateur des consciences, le guide des ambitieux à belles moustaches. Mais en réalité, Nietzsche n'a jamais ni incarné ni voulu de cette posture rigide de maître. Il l'aurait eu en horreur. En vérité, la plus grande qualité de Nietzsche, c'est peut-être précisément de ne jamais s'être contenté d'être lui et de ne jamais s'être incarné majestueusement. Sa nature fut toujours de s'intensifier au-delà de lui-même, au-delà de tout ce que la nature autorise normalement à la psyché et à l'esprit, ce qui lui vaudra d'ailleurs une fin en apothéose gémissante. Nietzsche ne fut jamais pareil à lui-même, jamais rigide, toujours prince agonisant de l'instable et du possible. Son corps ne supportait aucune doctrine, aucune stratégie, et il ne peut pas vous prêter des chemins puisqu'il n'en a suivi aucun. Prendre pour guide celui dont la vie consistait exactement à se perdre et se perdre encore, en jouissant toujours un peu plus de son errance, voilà bien une drôle d'idée. Nietzsche ne s'est jamais suffi à lui-même. Première consigne potentielle pour les intrépides, s'insupporter et refuser toutes les pistes. Notre homme a toujours refusé tout figement, a passé l'intégralité de sa vie intellectuelle à détruire tous les systèmes, toutes les chapelles et toutes les doctrines. Nietzsche est un météore qui se dédie et se devance implacablement tout au long de sa vie. Alors, quand il déclare dans les dernières pages de son dernier livre « Deviens qui tu es », reprenant la célèbre formule de Pindare, ce qu'il veut dire probablement, c'est davantage « subis-toi jusqu'au bout en dépit de tout ». Et non pas un simple et impuissant « deviens la meilleure version de toi-même ». Nietzsche est 1000 versions, et quant à juger de la meilleure, eh bien, c'est une non-question. Parce que le destin, chez Nietzsche, n'est pas cet acte brillant, grandiose et public, comme le vantent les hommes-grenouilles du développement personnel. Non, le destin, chez Nietzsche, est une intensification dangereuse. «
Le premier problème des vendeurs de rêves, c'est qu'ils vous vendent un idéal. Vous savez où vous allez. L'imagination qu'ils vantent est prescriptive et précise. Vous pouvez même en composer une mosaïque au-dessus de votre lit en additionnant les clichés, un mood board de votre destin, mais en réalité, tout destin est un incommunicable, un à réaliser, car tout destin, poussé à son paroxysme, finit toujours en excès, en dépassement du vivant, de la norme et de l'admis. Plongez-vous un peu dans les dernières années des grands génies. Le feu d'artifice ne manque jamais à l'appel. Et il n'est pas que beau, il est aussi terrifiant, justement terrifiant. La destinée est une caverne sombre, dont seule l'apothéose finale révélera chaque rugosité conquise. Alors, quand Nietzsche marche vers lui, quoique rampe serait peut-être plus appropriée, eh bien, il ne sait pas pour autant où cela l'emmène, mais il obéit au commandement impérieux. Subis-toi, dis oui à tout ce qui bout en toi, sans en comprendre ni en saisir l'origine ou le but. Alors, bien sûr, même Nietzsche avait ses crapauds. Les universitaires, les philosophes ronflants et leurs prêches monocordes, tout ce petit monde projetait sur lui à son époque de belles et grandes visions. Mais souvent, suivre son destin revient à dire non, avec suffisance, suffisamment longtemps, à tous ceux qui voudraient vous vendre une destinée préconçue. Il est amusant de constater qu'encore aujourd'hui, tous les petits charognards pseudo-philosophiques du net se jettent sur l'héritage de Nietzsche et tentent d'en tirer des armes dialectiques pour leur petite chapelle. Tout le monde veut s'approprier le destin de celui qui le refusa à tout le monde de son vivant. L'irrévérence de Nietzsche est insupportable à énormément de monde. Alors, voilà ce que nous apprend la vie de Nietzsche sur la poursuite de notre destinée. Le devenir soi n'est pas quelque chose que l'on cherche, que l'on obtient, ou encore moins, évidemment, que l'on achète. Il est produit. Et cette production est aveugle, déchaînée et éreintante. Le destin se forge en avançant sur un chemin sombre, sans carte et à la pression écrasante. Voilà ce qu'indiquent les échos de cette formule de Pindare, reprise par Nietzsche à la fin de sa vie. Deviens qui tu es. Rien à voir donc avec les croassements zélés de nos amis. Il convient de s'accoucher soi-même. Voilà ce que nous dit cette belle formule, et guère plus. Tout idéal fausse le destin, car il passe du mode de la plainte à celui du désir. Il passe du rêve inconscient qui parasite l'être au simple fantasme conscient et plat. J'aimerais être ci, j'aimerais être ça. On ne désire pas sa destinée, on l'accomplit. Point. Le moi est à produire, pas à envier. Suivre son destin, cela revient à sculpter quelque chose, les yeux bandés seul, dans une cave, en saignant des mains, sans autre idée que de le faire. Là naît l'artiste, c'est-à-dire celui qui subit, et donc sans le vouloir poursuit, son propre destin. Pour résumer, ce que nous apprend la vie de Nietzsche sur la poursuite de notre propre destin, nous pouvons dire trois choses. 1. Le destin est aveugle. On ne peut pas savoir ce que l'on est censé être un jour. 2. Le destin est subi. Si l'on œuvre pour lui, c'est généralement aux dépens de notre moi immédiat. Et 3. Le destin est tragique. Dans son moment final, l'intensification du moi passe par-dessus tout ce que la logique et les mœurs peuvent admettre et finit souvent en bouquet final grandiose et douloureux. Se perdre, sinon rien. Si l'industrie du rêve de location fonctionne si bien, c'est peut-être que, contrairement aux apparences, nous ne supportons que très mal l'apesanteur silencieuse. Suivre son destin, servir son propre rêve, est mille fois moins doré et grandiose que ce que le capitalisme des destinées nous vend. Être sur son juste chemin n'offre aucune réponse.
ne change pas radicalement la manière dont on se perçoit, et les journées n'en sont pas moins ambivalentes et parfois décevantes. Nous n'avons pour nous raccrocher à quelque chose qu'une incertaine impression diffuse, peinée dans la bonne direction. Rien n'enchante sainement et durablement le quotidien, pas même le rêve le plus juste et magnifique. Le destin n'est pas un palliatif à l'ambivalence fondamentale de la vie. Suivre son rêve est un processus, au final, assez décevant. Mais dans le monde réel, en dehors des grandes fictions, eh bien, c'est tout ce qui nous est donné de vivre, et c'est déjà immense. Alors si vous tentez de suivre votre destin, eh bien, la bifurcation des destinées ressemblera à quelque chose comme ça. Embarquez-vous dans un des vaisseaux pleins à craquer des destinées préfabriquées, faites-vous entrepreneur plastique, sportif par ego instabilisé, subissant par manque d'inspiration, ou une des autres milliers d'autres options du catalogue, ou supportez votre incertitude fondamentale. Car tout revient à ça. Quel est votre degré de tolérance à l'incertain ? Car en définitive, c'est ce dont il est question. Le destin, le rêve d'existence, est un tourbillon sombre et violent, face auquel il n'existe qu'une seule posture, l'abdication. Voilà ma petite contribution aujourd'hui sur votre chemin, la mise à disposition face à l'incertain. Aucune époque n'a jamais été aussi efficace que la nôtre dans sa production de narratifs. Le croassement enfle démesurément avec les réseaux sociaux. Toutes les tribus recrutent, il faut orienter tous les désorientés, occuper les dilettants, missionner les hésitants. Rien n'est plus insupportable aux yeux de ceux qui s'épuisent dans des destinées d'emprunt que l'oisiveté démoniaque des hésitants assumés. J'écris dans S'anomaliser, en faisant commerce des parcours de vie, on aiguille assurément de nombreux égarés. Mais dans le même geste, on vide les rangs de l'art au profit de ceux du concret. Et on perd au change. Alors, évidemment que le destin meurt aujourd'hui, puisqu'on ne lui laisse même plus le temps de bourgeonner et qu'on prend toute vacance, toute errance pour un trouble. Voyez-vous, aucun homme n'est jamais parvenu à l'apothéose de sa destinée sur un chemin tracé d'avance. Alors, je ne vous donne pas souvent de mantra, mais accordez-moi-en un, juste celui-ci, et marquez-le sur un post-it au-dessus de votre bureau. Formule du destin, 2 points. Peiner longtemps et à l'aveugle dans la même direction, sans certitude et sans espoir, simplement, car il le faut. Devenir qui nous sommes implique d'abord de rester qui nous sommes, ce qui est déjà une belle bataille. Ensuite, il faudra développer le germe actif à l'intérieur de nous, le laisser nous parasiter, nous soumettre et nous handicaper. Nous devrons dire 1000 fois non aux appels tentants de la vie. Et ça, combien parviennent à le faire? Mais c'est là que commence la piste du destin. Suivre son destin n'est pas un chemin aisé. C'est se confesser entièrement à la face du monde. C'est ce qu'a fait notre ami Nietzsche, et ça lui aura demandé une 50aine d'années. Il n'a pas voulu être Nietzsche, ni être philosophe, pas même artiste, et encore moins célèbre. Comme il l'écrit à la fin d'Ecce Homo, « Je ne veux pas être pris pour un saint. Il me plairait davantage d'être pris pour un pantin. Peut-être suis-je un pantin. » Et nous d'ajouter « Un pantin qui finit pantin », voilà au moins une destinée accomplie. Lire quelques bons livres et s'écrier « Je veux faire de ma vie une œuvre d'art », ça oui, nous savons tous le faire. Mais supporter le silence infernal de l'attente dans un monde certain, en essayant péniblement de trouver son propre destin, ça c'est une autre paire de manches. Suivre son destin, c'est souvent ne pas supporter d'être à une place plus de quelques jours, et se fuir, se retrouver, se fuir à nouveau, comme Nietzsche, à la poursuite de l'intense et du juste au fond de soi, à travers toute l'Europe, sans répit, sans objectif et sans vision, juste car il le faut. Sur le chemin de votre propre destin, vous devrez supporter les réprimandes et les regards en coin de tous ces hommes qui ont abandonné
leur destin et se pensent comme de petits empires de stabilité. Évidence, le crapaud a toujours envié l'artiste, car lui ne se soumet à rien si ce n'est à l'exigence de sa propre liberté intérieure. Désastre, que l'artiste se mette à envier le crapaud pour la sécurité égoïste qu'il vante partout. La suite est dans le livre. À la prochaine, et méfiez-vous des crapauds vendeurs de destin.